Bonjour, je suis Dawn Sosé-Medora, je suis slameuse, poétesse, blogueuse et photographe, diplômée de l'Académie des Beaux-Arts, en fait graduée en communication visuelle à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Et professionnellement, en tout cas, j'ai évolué en tant que poétesse, slameuse et c'est un peu ça. Le slam, c'est une passion mais aussi une profession parce que non seulement que j'écris pour moi, pour transmettre un message, mais aussi j'écris sur commande ou quand il y a certaines activités et je preste à ces activités-là et je le fais vraiment comme ma profession. Donc c'est un art à part entière et moi je pratique cet art-là. Cette histoire d'amour avec la poésie, ça remonte à très loin quand même. Au départ, l'idée c'était plutôt d'écrire. J'écrivais beaucoup quand j'étais petite pour me soulager un peu parce que j'étais à un moment très solitaire et tout ça. Et je voulais écrire pour. Je tenais un journal dès l'âge déjà de 9-10 ans. J'écrivais tout ce qui me passait par la tête, tout ce qu'on me faisait, tout ce qu'on me disait. Mais après, j'ai beaucoup lu les psaumes aussi dans mon enfance, ce qui a fait que j'ai eu un amour comme ça pour les belles lettres et pour ce mystère-là qu'il y a dans la poésie. Parce que dans la poésie, tout n'est pas dit de manière brute, mais c'est dit avec tellement de beauté. Et moi, ça m'intéressait. Et donc, à l'école, après, j'ai fait latin philo. Et là, j'ai appris la versification française et j'ai fait mes débuts en écriture poétique. Et c'était bien, quoi. On ne peut pas douter que le slam vient de la poésie, mais que le slam emprunte aussi beaucoup de choses à d'autres arts, à d'autres disciplines, comme au stand-up, comme au théâtre un peu, comme aussi à la culture hip-hop, au rap et tout ça. Mais si moi je peux définir, moi je dirais que le slam, c'est une poésie écrite pour être dite, mais après c'est pas forcément avec un fond musical, donc ce n'est pas forcément de la musique, parce qu'après de la musique c'est chanté, mais le slam n'est pas chanté, tout n'est pas forcément chanté, ça après ça dépend d'un slameur à un autre, mais le slam d'abord c'est dit, c'est un texte qu'on dit et qu'on veut partager avec les autres, donc pour moi c'est un peu ça quoi. Donc là je reviens de la Belgique, de Bruxelles précisément, j'étais là-bas pour le SLOW, le Slam Our World, qui est un spectacle organisé chaque année depuis 3 ans maintenant par le KVS, le Théâtre Flamand Royal. Et tout est parti d'ici, au fait, à Kinshasa. En août dernier, j'avais participé à un atelier, un laboratoire, au fait, dramaturgie urbaine, où on avait mis en binôme des vidéastes et des slameurs pour produire quelque chose, au fait, une œuvre artistique vidéo-slam. On n'avait jamais travaillé avec ces vidéastes-là, on a constitué des binômes, et le KVS qui avait organisé ça avec Africalia et la plateforme contemporaine ici, nous ont réunis pendant 2 semaines environ, on a travaillé sur ça et on a eu à produire des vidéos slam. Moi, j'en avais produit 2. Une vidéo qui parlait un peu de Mobutu, de son histoire. Le titre, c'est « Je ne suis qu'un homme ». Et une autre vidéo qui parlait de Kinshasa et Bruxelles, en essayant un peu de comparer comment les choses se passent ici et comment les choses se passent là-bas. Qui est un Kinois, qui est un Bruxellois, qui est un Belge, qui est un Congolais. Et après cela, on n'était même pas au courant au départ qu'il y aurait un groupe qui allait aller présenter un spectacle là. Nous avons été sélectionnés donc pour aller là-bas et présenter le spectacle pour en fait travailler avec d'autres artistes belges et voir avec d'autres slameurs comment allier le slam avec la danse, avec le théâtre, avec d'autres disciplines et créer un spectacle pendant qui allait être projeté 2 jours au fait. Et c'est ce que nous avons fait. Il y a énormément de différences entre ce que j'ai vu là-bas dans le slam en Belgique et ce que nous faisons ici. Déjà, la scène slam, on dit oui, c'est vrai qu'ici à Kinshasa, la scène slam, elle est là, elle est présente. Mais où est-ce que ça se passe? Est-ce que ça se passe aussi près des gens que ça? Est-ce que ça se passe que dans des endroits fermés? C'est comme si le slam n'était pas toujours très accessible. Il est accessible seulement quand il y a un clip, il y a un concert slam ou qu'il y a une vidéo slam qui passe à la télé ou qu'il y a une émission comme ça. Mais parfois, ça a l'air d'être quelque chose de réservé à un certain public ici à Kinshasa. Mais la différence là-bas, c'est que le slam, là-bas, on en parle un peu partout. On en parle dans les écoles, on en parle, il y a des slameurs qui font, il y a une scène slam présente où il y a des activités de slam un peu dans toutes les villes. Ils ont des jours où ils savent qu'à tel endroit, il y a cet espace-là où on peut aller et slammer. Mais ce que nous, ici, nous n'avons pas encore, on n'a pas encore de lieu comme ça qui accueille le slam tous les jours ou tous les dimanches ou par exemple une fois le mois, nous n'avons pas encore ça. Donc ça limite nos
possibilité, ça ne permet pas au slam de se faire connaître davantage, quoi, de se répandre un peu plus vite dans la communauté congolaise ou dans le pays. Et aussi, la différence, c'est que il y a beaucoup d'activités qui sont organisées, beaucoup des moyens qui sont mis en place pour soutenir et accompagner ces jeunes-là qui font du slam. Il y a un championnat national de slam là-bas. Nous, ici, nous n'en sommes pas encore là. Nous n'avons pas de championnat national parce que j'ai rencontré, par exemple, la championne nationale du slam en Belgique. Elle a après représenté la Belgique dans le championnat européen du slam. Il y a même un championnat européen du slam. Après, normalement, dès que le championnat mondial va se faire, c'est elle qui ira représenter la Belgique au championnat mondial du slam, puisque ça existe également. Mais nous, ici, on n'a pas de championnat national. Le championnat même de Kinshasa, il a cessé d'exister. Et donc, c'est comme si à un certain moment, on veut évoluer. Oui, dans la rue, les gens, ils apprennent un peu plus ce que c'est que le slam. Mais concrètement, comme ça, ça n'avance pas beaucoup, quoi. Il y a d'une part la responsabilité un peu des slameurs et d'autre part la responsabilité aussi des partenaires au fait qui sont autour des slameurs, par exemple même du ministère de la Culture. Le slam aujourd'hui, on peut beau dire que ça vient de l'étranger, il y a des gens qui le disent, en tout cas qui le clament, mais moi je dirais que le slam, après, ça vient aussi de notre tradition orale, parce que c'est très proche de l'oralité. Ça nous rappelle l'art des griots, parce que dans notre communauté, dans notre société, aujourd'hui, le griot, il est quasiment inexistant. Mais le slameur vient aujourd'hui pour reprendre la parole et parler de notre quotidien, et ça c'est important, parce que il est comme un peu cette personne-là qui garde la culture, qui garde l'histoire de ce qui se passe, en fait, en ce moment-là. Alors moi, je me dis, si aujourd'hui, il n'y a pas de scène slam comme ça, oui, il y a une responsabilité aux slameurs parce qu'avec les faibles moyens qu'ils ont, ils peuvent s'organiser, nous pouvons nous organiser, puisque je suis également slameuse, nous pouvons nous organiser pour qu'il y ait une scène comme ça qui accueille une fois le mois des slameurs pour davantage faire connaître cet art parce que c'est vraiment quelque chose qui nous appartient beaucoup plus même que je pense que ça pourrait appartenir à d'autres peuples puisque nous avons l'oralité, nous avons cette tradition, cette culture-là orale, cet héritage-là de nos ancêtres que nous ne devons pas négliger. Et de l'autre part, c'est aussi la culture dans notre pays, le système, comment on fait pour que les jeunes puissent pour promouvoir les talents, pour promouvoir les artistes. Il y a tout ça qui compte après, parce qu'on peut beau vouloir, oui, mais qui met à notre disposition un espace, qui nous propose ça? Parfois, beaucoup de gens nous acclament après un spectacle pour dire « Ah, vraiment, vos textes sont très bien, c'est très beau, c'est waouh, c'est étonnant. » Mais après, ils ne tiennent aucune promesse quand ils vont vous dire « Ben, nous allons vous soutenir. » Personne ne nous soutient réellement, en fait. Là, je suis en train de travailler sur monter vraiment un spectacle comme ça, où moi, je vais présenter des textes slam, pour que davantage de gens me connaissent, parce que c'est vrai que beaucoup de gens ont entendu parfois parler de moi, mais on me retrouve très souvent dans des conférences, dans des activités comme ça, ou dans des activités littéraires et tout. Mais moi, j'aimerais aujourd'hui me faire connaître auprès du public, faire connaître surtout mon art et emmener mon message un peu plus à beaucoup plus de gens, parce que j'ai vraiment des choses à dire, des choses qui me tiennent à cœur, parce que moi, je slame après pas pour slammer seulement, je slame pour la beauté des mots, mais je slame aussi parce que il y a une urgence à dire. Je ne peux pas me taire. Il faut que je dise les choses. Il faut que je raconte ce qui se passe, ce que je vois avec mes yeux et ce que je pense. Il faut que je le partage. Donc, très prochainement, il y aura beaucoup, beaucoup de scènes slam avec moi. Et aussi, je pense, comme je réfléchis, nous sommes en train de penser comment faire, comment composer avec les autres slameurs, pas seulement de Kinshasa, mais pourquoi pas aussi d'autres villes. Parce qu'il n'y a pas que des slameurs à Kin, il y a des slameurs aussi à Bukavu, à Goma, à Lubumbashi. Il y en a dans beaucoup d'autres villes congolaises. Là, j'ai partagé un lien sur ma page Facebook, Don Sosem Slam Officiel, où il y a la vidéo du spectacle. Un message à tous ceux qui sont passionnés de poésie, à tous ceux qui se lancent dans le slam aujourd'hui et qui aimeraient vraiment évoluer dans ça. Moi, j'ai commencé le slam en 2012, vraiment. Je me suis dit, ouais, je vais faire ça et tout ça. Et j'ai donné. Au départ, tout ne tombe pas du ciel, en fait. Il faut beaucoup travailler. Et au fur et à mesure qu'on travaille, au fur et à mesure qu'on écrit, les choses changent, en fait. Notre façon de voir le monde change et on apprend davantage même sur nous-mêmes et on se découvre jusqu'à atteindre un certain moment, en fait, à devenir meilleur. En fait, chaque jour, on devient meilleur qu'avant. Et moi, je dirais, ne baissez pas les bras parce que parfois, quand on lit ses premiers textes,
parfois ça nous intéresse moins, on est genre ah non, ça là ça n'a pas trop de sens, mais ne vous arrêtez pas là, continuez, bossez dur. Et quand vous entendez parler d'ateliers d'écriture, d'ateliers de slam, pourquoi ne pas y aller pour aussi vous perfectionner? Et aussi, il ne faut pas penser qu'on ne peut gagner de l'argent qu'avec le droit ou l'économie ou la médecine comme tout le monde un peu le fait ici parfois, dans les facs de médecine, de droit, il y a toujours beaucoup trop d'élèves, beaucoup trop de gens, beaucoup trop d'étudiants. Mais moi, je me dis, on peut gagner sa vie aussi en faisant ce qu'on aime. Moi, je suis passionnée de slam, j'aime la poésie et je pense que le plus d'argent que j'ai gagné, moi, jusque-là, c'est en faisant de la poésie. Donc, écrire des poèmes, oui, ça peut payer. Mais après, il faut vraiment travailler dur. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde, dans le sens où ce n'est pas quelque chose de facile. Écrire, ça demande d'avoir le talent, mais après, de beaucoup travailler. Il n'y a pas que le talent qui compte. Il ne faut pas juste dire, ah, moi, j'ai du talent. Le talent, oui, mais après, il y a aussi le travail qu'il faut rajouter dessus pour aller de l'avant, pour aller un peu plus loin. Donc, travaillez dur et n'arrêtez pas, n'abandonnez pas vos rêves. C'est votre rêve d'écrire de la poésie, écrivez ça. Parce que même moi, en ce moment, je suis en train de me dire, toutes ces années, j'ai écrit, et là, aujourd'hui, je me dis, il faut que ce que j'ai écrit, que les gens l'aient entre leurs mains pour lire aussi ça. Donc je suis en train de préparer un recueil de poèmes, un recueil de poèmes ou de slam, on peut le dire dans les deux sens, qui sera accessible à d'autres personnes pour qu'ils puissent lire un peu ce que moi, comment j'écris et peut-être s'en inspirer aussi. Donc quand vous écrivez, faites lire aussi aux autres et déclamez vos textes devant les autres. C'est toujours un très bon exercice pour s'améliorer. Un dernier mot, ben merci beaucoup à Voilanet qui m'a accueillie, qui m'a reçue dans son plateau, c'est super. Et je suis très contente et j'ai hâte de vous présenter quelque chose de très beau dans le slam, dans la poésie. J'ai vraiment hâte que vous puissiez découvrir ce que je fais.